Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yokawash Galapolism, donc l'épisode 4. Et voilà, c'est l'équipe avec laquelle j'ai envie de jouer. Je me suis dit qu'elle avait l'air cool cette équipe. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, attendez, comment on fait déjà? Ah voilà, on tourne comme ça. Il y a Enma, ensuite il y a les frères Kaka, ensuite il y a Komasan, Koalanyan et... Orkanos, voilà, c'est mon groupe de rock ou de, je sais pas trop ce qu'ils vont jouer, mais mon groupe de musique, voilà. Si je pouvais faire partie d'un groupe de musique, je voudrais faire partie de ceux-là. C'est dommage qu'il y ait personne à la voix. Je verrais bien quand même comme Asen à la voix. Il le ferait bien, je pense. Pas moi, hein, pas moi. Regardez. Quand on touche, on peut les faire bouger. Et comme Asen, on peut le faire bugger, regardez. Ça sert à rien. Bon, alors, dans tous les cas, les amis, nous, eh bien, on va y aller avec cette équipe. Je pense qu'elle est pas mal et elle va nous poser certainement moins de problèmes, même si à partir d'un moment, ça risque de poser quelques soucis. Parce qu'il faut pas oublier que Orkanos, il est que niveau 5. Hein. Lui, il est pas arrivé niveau 15. Et Orkanos, je l'ai eu d'ailleurs parce que j'ai lié mon compte. Hein, certains me l'ont dit dans les commentaires. Donc, on y va. Les amis, dites dans les commentaires de cette vidéo quelle équipe vous feriez. Pas forcément avec les yokai avec lesquels on peut jouer dans le jeu, là. Pas forcément que avec ceux que j'ai. Pas forcément que avec ceux que j'ai vus. Mais si vous deviez choisir 5 yokai, pas pour faire des combats, mais 5 yokai pour faire un groupe de musique de rock, ou de pop, ou de country, ou de ce que vous voulez, quel yokai vous metteriez? Voilà. Mettez-le dans les commentaires, 5 yokai pour faire une équipe, enfin, un groupe de musique. Voilà, je compte sur vous. J'irai voir vos commentaires. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces rouges pour cette série qui est trop bien. Et on va y aller avec le niveau des Morino. Et pourquoi il y en a un qui... Ah, ça veut dire boss. L'espèce de machin qui est au-dessus, ça veut dire qu'il y en a un, c'est le boss. Très bien. Bon, alors c'est sur une musique de Yokawash 2 et on y va avec l'équipe que je viens de choisir parce que les frères Kaka, ils me manquent vraiment. Ils sont très bien. Ils sont très bien comme perso avec leur platine là. Irox. Allez! Bon, est-ce qu'on va y arriver? Ah, mais il y en a deux sur les platines. C'est vrai que Koalanyan aussi, il fait des platines. Yeah. Non! Non! Quoi? Ah, des fois, je dois empêcher les adversaires d'attaquer, c'est ça? Ah ouais. Ah, c'est nouveau, tiens. What? Attendez, vous m'avez dit de jouer avec mes pouces. Vous m'avez dit que... Aïe, aïe, aïe. Attendez, mais c'est la galère, là. Si je dois empêcher des attaques... Mais c'est parce que mon téléphone, il est trop grand aussi, ça m'énerve. On s'en sort quand même un peu, mais bon, c'est un peu la galère, non? Parce que les empêcher de me frapper, c'est... En fait, j'ai du mal à voir au niveau du timing. Ok. Cette musique, elle est bizarrement calme quand même pour un combat. Hein. Non, 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 oui, oui, vas-y, devant. J'ai pas... Si, j'ai empêché son attaque, très bien. On pourrait pas faire une petite time ultime, là, ce serait cool. Ça pourrait être sympa, non? Là, ils volent pas, ils ont pas envie. Mais faut vraiment regarder partout sur l'écran, c'est ouf quoi, c'est chaud hein. What? Je me suis pris un coup de ouf. Bon, la musique elle est pas très longue là, donc pourquoi il a encore toutes ses vies l'autre? Enfin, pourquoi il est pas encore mort? C'est bon! Non, mais je comprenais pas là, il était toujours pas mort, j'avais perdu plein de vie, enfin. C'est quoi cette histoire? Attendez, il y a des sushis? Sur les platines de Koalanyan, il y a des sushis? Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? Ça n'a aucun sens! Il y a des sushis qui ont l'air d'être à l'œuf, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Mais ce sont des jaunes, donc ils ont l'air d'être à l'œuf. Et ça, je sais toujours pas quelles sont les conditions. Hein. Alors, lui, c'est... Oh, je sais plus comment il s'appelle, c'est Yukai, mais on s'en moque, il est nul. Personne ne l'aime, de toute façon. Bon, moi, en tout cas, je vais économiser pour acheter Gargaros. Même si je sais pas si je m'en servirai. Je le veux. Un niveau 43, quand même, ça se refuse pas, hein. On le mettra peut-être à la place d'Orkanos, d'ailleurs. Bon. Yoi. Ok. Oula. Pourquoi ils attaquent tous, là? Et c'est jamais moi qui attaque? Bon, alors, par contre, c'est pas du juste, parce que moi, je peux les empêcher d'attaquer, mais eux, ils peuvent pas m'empêcher d'attaquer. Ça, c'est pas du juste, mais tant mieux, hein. Tant mieux, hein. Je ne me plains pas. Je dis juste que c'est pas du juste pour eux, hein. Ok. Là, il y en a... Non, non, non. Ok, il y en a plus que deux, ça va aller. Non, non, non. Oui, c'est bon. Ouf. Mais c'est super facile, là.
J'ai réussi à faire un perfect. Alors, je sais pas si je me suis fait toucher. Il est possible que je me sois fait toucher. Bah non, je me suis pas fait toucher vu que j'ai pas perdu. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si j'ai réussi à avoir toutes les notes. J'en ai peut-être loupé une. Si c'est le cas, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on a fait un bon score, c'est cool. On gagne de l'argent, mais alors on le gagne tellement petit à petit que ça compte pas, quoi. Oh! C'est... Comment il s'appelle, lui? Ah, il s'appelle Cap'n Crash en anglais, ça je sais. Et en japonais, il s'appelle comment? Ah bah, attendez, j'en sais rien, comment je peux lire ces caractères, là? C'est des kanji, je peux pas le lire, ça. Dai, quelque chose. Voilà, le premier, c'est Dai. Et après, je ne sais pas. Mais, ok, faut être niveau 12, ça va être un petit peu chaud. Bah, dites dans les commentaires comment il s'appelle en français, je sais plus. Barbe Frousse, non? C'est pas ça, Barbe Frousse? Mais si, je crois que c'est ça. Il me semble. Bon! Alors... ouais, bah écoutez, niveau 16, niveau 16, niveau 10, niveau 16, niveau 9, ça va pas être de la tarte, mais c'est tout à fait possible. Mais il est énorme! Mais il est géant! Et pourquoi d'ailleurs le public nous attaque? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils sont méchants, le public? Bon, donne-nous les techniques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils peuvent enfermer des yokai. Enfin, il peut enfermer des yokai. Et après, faut que je tape pour les libérer. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Mais c'est marrant quand même que les combats de boss soient différents. Parce que j'avais peur que justement les combats de boss et bah, soient le même gameplay que d'habitude. Et je me disais que c'était un petit peu du gâchis. Mais non, ils ont fait un truc de ouf, donc c'est cool. Allez, va devant. Très bien. Bon, alors là, on est tous devant, ça c'est cool. Enfin, presque. Ah non, j'ai loupé. Ah, je loupe. Bon, j'y arrive quand même, mais il a déjà perdu pas mal de vie, ça c'est cool. Alors qu'est-ce que je fais là? Aïe! Ah oui, il fait mal! Ah oui, il exagère pas. Ok. Très bien. En fait, il attaque que sur une ligne. Oula, alors ça, par contre, c'est nul. Ouais, mais attendez, mais non, mais parce que mes yokai, ils vont se faire toucher dans tous les cas. Bon, d'accord, j'ai pas compris comment faire pour pas se faire toucher, mais... Pourquoi pas? Oh là là, c'est compliqué! C'est compliqué, le jeu! En plus, des fois, il y a des trucs où il faut en faire plusieurs en même temps, c'est trop galère! Bon, les trucs où il faut en faire plusieurs en même temps, je les fais quasiment jamais en même temps, en fait. Je les fais quasiment toujours en séparé. Non! Oh, on est mort. Ok. Alors, malgré que j'ai une équipe de haut niveau, bah, ça m'arrive quand même de mourir, hein. C'était pas inattendu, d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive, Komasan? Il a un level up de quelque chose, une technique, j'en sais rien. Bon, on réessaye, parce qu'en fait, on n'était pas si près d'y arriver, donc on réessaye exactement avec cette équipe. Je fais pas une équipe full niveau 15, hein. Ah, non, c'est bon. Hein. On peut y arriver. Il suffit juste de s'appliquer, de faire attention, à bien éviter comme il faut. Allez, Barbe Frousse, amène-toi. Oh, Colanian, pourquoi il m'a dit qu'il y a un truc avec Colanian? J'en sais rien, je m'en moque. Yes. Ok, allez tous devant. Moi, je veux vraiment tous les mettre devant. Je pense que c'est le mieux à faire. Ok. Là, on fait pas mal de trucs comme ça, j'aime pas. J'aime pas, c'est perturbant. Et c'est trop rapide pour moi. Ah non, mais il a perdu moins de vie que la dernière fois, non? Peut-être pas, il aurait peut-être perdu autant. Mais pourquoi je l'ai laissé sur place? J'ai loupé? Comment ça se fait? C'est pas normal. Ok, très bien. Bon, je comprends pas. Je loupe plein de trucs, je sais pas comment ça se fait. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il faut faire. Pourquoi pas, mais bon. Et en plus, j'ai du mal à lancer... Les attaques spéciales, des fois j'ai des flèches qui sont de couleur arc-en-ciel, mais j'arrive pas à lancer le truc, je sais pas comment ça se fait. Et là, je vais mourir, je pense. Et parce que là, ça va être le dernier truc, et ça, c'est trop chaud. Mais comment ça se fait? Mais je suis trop rapide ou trop lent? J'arrive pas à comprendre si je suis trop rapide ou trop lent. Ça m'énerve. Je crois que je suis trop rapide, hein. Je crois que j'appuie trop tôt. Comme je vous dis, je comprends pas ça, c'est trop bizarre. Je vais réessayer avec la même équipe parce qu'on peut y arriver. Attendez, non.
On peut y arriver, c'est obligé. Mais en fait, c'est dommage que je comprenne pas, parce que ça doit être affiché. Ça doit être affiché trop tôt ou trop tard. Et comme je comprends pas, bah on sait pas si on est trop tôt ou trop tard. Mais j'aurais tendance à dire que je suis trop tôt, hein. Bon, on va voir, mais je vais essayer cette fois en attendant. En attendant au maximum. Stat! Ok, maintenant c'est lui qui a un bonus de je ne sais quoi, mais pourquoi pas. Je me concentre, hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut y arriver... Oh là 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 là! Comment ça je loupe des trucs des fois? Je sais pas comment je fais pour les louper. Bon. Ah non, là je suis carrément en retard. Hein. Mais attendez, mais je l'ai fait au bon moment là. Ça me gave. Ok, il y en a qu'un seul qui s'est fait toucher. Bah là par contre on pourra pas les éviter. Hein. Mais non, mais sérieux! Mais quoi? Mais ça me gave! Ça me gave! Comment ça se fait? Comme je vous dis, j'arrive pas à comprendre si je suis trop tard ou trop tôt et ça me saoule. Allez, oui, bon, une petite âme ultime, ça va faire plaisir. On va peut-être lui faire suffisamment de dégâts là. Wow! Le truc de ouf! C'était ouf! Et bah non, il refait sa phase. Il est obligé de la faire, j'ai l'impression. C'est nul parce que j'arriverai pas à l'éviter. Bah non, c'est mort. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors je vous jure, les amis, je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas l'impression d'être ni trop tôt ni trop tard. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah, c'est parce qu'il a augmenté de niveau. On va réessayer une dernière fois avec cette équipe, mais ça m'énerve. Enfin, ça me saoulerait de devoir prendre des yokai niveau 12, enfin niveau 15 pour le battre, quoi. Après, ça dépend, il est niveau combien? Je sais pas, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Puis dans tous les cas, ça change rien. Il me fait des dégâts. Il faut que j'évite de me prendre des dégâts. Quel que soit le niveau de mon équipe, il faut que j'apprenne à ne pas me recevoir de dégâts. Ok. Allez. Pour l'instant, je réussis tout, c'est pas mal. Mais au début, je réussis tout généralement. Hein. C'est rare qu'au début, je me fasse avoir. Ok. Bon, j'en ai évité avec deux, mais c'est rien du tout. Hein. Mais je perds des dégâts quand même. Pourtant, je vais pas les remettre sur le machin rouge. Je suis pas débile. Ok. Bon, on a évité avec quelques-uns, mais c'est pas assez. Hein. Mais bon, c'est déjà ça. Hein. Allez-y. Yes! Ah là 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 là! Ça, c'est cool. Oh, ça lui fait pas tant que ça. Hein. Vraiment pas tant que ça. Ouais, là, on s'en est bien sorti. Très bien. Alors là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que j'arriverai... à éviter ça, je ne sais pas. Oh là là, mais c'est pété parce qu'on peut pas savoir qui va faire ça. Je peux pas éviter avec tout le monde. Oh là là, bah là je pense que je suis mort. Hein. Je pense que dans tous les cas je suis mort parce que voilà, il y en a trop qui se retrouvent dans la zone rouge. Bon, on va y aller avec l'équipe ultime, mais c'est trop dommage, hein, c'est trop dommage. En même temps, je vous ai dit, hein, je suis nul au jeu de rythme. Hein. Vous attendez pas à grand chose parce que je suis nul au jeu de rythme. Mais je suis quand même sacrément déçu. Hein. Bon, il est niveau 12. C'est vrai, on l'avait vu, j'avais dit au début de la vidéo en plus, je m'en souviens. Bon, l'équipe du départ, celle-là, qui est la plus forte de mes équipes, je crois. Hein. Je crois. Après, bon, il y a des yokai qui sont plus forts contre certains types. Et effectivement, je joue jamais avec les bons yokai. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses, je pense. Hein. Allez! J'espère qu'on va lui faire mal. À chaque fois, j'essaye d'avancer sans savoir ce que ça change. J'en ai loupé un, je crois. J'en ai loupé deux maintenant. Ah, mais il a déjà perdu plein de vie là!
Eh mais c'est ouf. Ok, génial. Génial, ça c'était brillant. Mais quoi? Mais quoi? Mais comment je fais mon compte? Mais bon Dieu! Pourtant j'ai pas l'impression de mal le faire. Je comprends pas. Ça m'énerve. Il y a des trucs qui resteront toujours un mystère pour moi, je pense. Allez. C'est bon! Oh! Le barbe-frousse, là, je suis content de m'en être débarrassé parce que c'était une sacrée épine dans mon pied. Hein. Mais comme quoi, il faut avoir une équipe de bon niveau parce que là... Oh là là! Mais alors, réussir ce niveau sans avoir aucun miss... Il le demande pas? Non, il le demande pas. Par contre, il demande de terminer le niveau en ayant plus de 25% de ses PV. Très bien, très bien. Ça arrivera peut-être un jour, potentiellement, ou pas. Bien, allez, c'est bon, vous discutez bien, Barbefousse, tu regrettes? Tu regrettes de m'avoir attaqué? J'espère pour toi. Et là, eh ben, on a eu un second objectif, mais le dernier, médaille... Talaline, médaille... Faut avoir une médaille yokai. Ah, faut avoir la médaille du yokai Talaline. Je sais pas qui c'est Talaline, mais bah peut-être qu'on l'aura plus tard, j'en sais rien. C'est un yokai qui s'appelle Talaline en japonais. Je ne le connais pas. Ouh, il y a un monde long là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un chemin en haut? C'est un raccourci, genre si tu vas là, après tu peux aller directement là? Peut-être, je ne sais pas. Alors, on va y aller avec une équipe un peu moins forte, hein, bien sûr. Oh, Busters. Allez. Ok, donc on y va avec... Non, c'était pas eux que je voulais, si. Si, si, c'était l'équipe avec laquelle je voulais jouer. Ok. Bon. Oh, on est sous l'eau. C'est trop beau. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu dans quelle zone on était. On doit être dans la zone qui est près de la mer, là, le centre-ville, non? Ça doit être ça. Parce que là, il y avait un aquarium à côté. Donc ça doit être ça, je pense. Mais c'est trop bien, comme c'est en rythme. C'est trop cool. Oula. J'ai déjà fait un miss. Allez! J'aurais dû me mettre devant, mais bon. Aïe! Non, c'est bon, j'ai tout eu, je crois. J'en sais rien, j'espère. Ouf! Les chihuahuaglagla, c'est ça? Chihuahuaglagla et... le chapeau, Shepo. Chihuahuaglagla et Shepo. Allez, on augmente un peu de niveau, quand même. Hein. Rah, même pas assez, quoi. Et jamais on aura assez de pièces pour avoir Gargaro, ça coûte beaucoup trop cher. Oh bah il y a encore un niveau avec Chihuahuagla, d'accord. Mais attendez, mais oui, on est où là? Ah, on est au centre-ville de Grandval, ok. Enfin, c'est ça, hein, dans la zone qui est tout au sud, enfin au sud-ouest. Donc c'est ça, c'est le centre-ville de Grandval. Après j'imagine qu'on va explorer toutes les maps de Yuka Watch 1. Et une fois qu'on aura exploré toutes les maps de Yuka Watch 2, il y aura les maps... Enfin, de Yuka Watch 1, il y aura les maps de Yuka Watch 2. Mais encore, je pense pas que les maps de Yuka Watch 2 elles soient déjà dans le jeu. À mon avis, ils vont les ajouter par mise à jour. Je pense. Allez. C'est chacun son tour, là. Ah mais non, c'est pas vraiment chacun son tour, parce qu'ils ont attaqué deux fois. C'est pas du juste. En même temps, moi, j'attaque plus de fois qu'eux, donc... Là, faut vraiment tout surveiller, c'est ouf. Non, j'en ai loupé un bêtement en plus. Et j'ai l'impression que quand je me prends des dégâts, ils me repoussent en fait. Allez. Non. Oh, j'ai failli louper quoi. Là, ils ont beaucoup de vie, non? Allez. Je loupe plein de trucs là! Et quand on loupe, on se fait repousser, on arrive dans l'arrière-plan, et dans l'avant-plan donc plutôt. Mais dans l'avant-plan, et bah j'ai l'impression qu'on fait moins de dégâts. Enfin, comme je vous dis, de toute façon, on n'a pas encore compris tout le gameplay du jeu, mais c'est un peu comme ça que je le vois. En 77 pièces, mais what? Mais donnez-les-moi 1000 par 1000! Il en faut 20 000 des pièces! J'en ai que 4000, ça n'arrivera jamais! Mais ça, c'est même pas des niveaux secrets, en fait. Je sais pas comment on y va. Bon, on va voir. Mais là, par contre, j'arrive plus à devenir ami avec les yokai. On peut leur donner de la nourriture? Ah, en fait, il faut leur donner le... Faut se combattre avec leurs amis, non? Faut se combattre avec ces yokai-là pour qu'ils nous rejoignent, c'est ça? Ouais, peut-être. Peut-être. Mais il n'y a pas la mécanique de la nourriture et tout, là.
Bon, en même temps, peut-être que je suis déjà ami avec ces yokai, j'en sais rien. Ok, donc Salsalga, non. Noripop, Noripop et Chihuaglagla. Yoi, Stratodanian. Ah bah j'allais dire essayons de faire un perfect et je me suis lamentablement ramassé. J'ai lamentablement perdu. Ok. Mais il y a trop de trucs qui se passent, c'est ouf! Calmez-vous, calmez-vous! C'est bon! Ouf! Quand il se calme, c'est d'un coup beaucoup plus facile. Mais la belle époque où je faisais des perfects, elle me manque, elle me manque. Bon, on devient amis avec, Noripop, ou Salsalga, ou Wakapoera. Je crois que Wakapoera, c'est celui qui est le plus foncé. Et Salsalga, c'est peut-être la fille, donc ça doit être Noripop, non? Si je devais deviner, je pense que lui, ce serait Noripop. Et on arrive au niveau 16 avec Télémire. Et il nous affiche d'ailleurs si on est déjà ami avec un yokai. Ah oui, c'est marqué. C'est le petit kanji qui est là. Genre là, regardez. Il y a un kanji qui est orange, ça veut dire qu'il est déjà dans mon médaillon. Et là, il est violet, donc ça veut dire qu'il n'y est pas. Ok, bon. Ça va peut-être être notre dernier niveau d'ailleurs. Laissez des pouces bleus hein, pour me souhaiter bonne chance, mais... Là ça va, on a 3 yokai qui ont l'air d'avoir un boost contre eux, donc ça va aller. Je pense. J'espère. Ok. Pourquoi c'est toujours Gargaros qui commence? J'ai l'impression que c'est toujours lui qui commence le combat. Allez. Non, qu'est-ce que j'ai loupé? J'irai. Quoi? Je sais pas ce que j'ai loupé, mais j'ai loupé des trucs, ça c'est clair. Bon, c'est bon là? Oui, à multime. Ouf! Oh les Keke Brothers! Ah là là, mais les dégâts qu'ils font! Mais ils sont ouf! Ils en ont tué un! Et l'autre, il devrait plus survivre pendant très longtemps. Bah, il est mort là, non? Je crois, j'en sais rien. Ah non, il est pas mort. Il est pas mort. Mais comme je dis, ça va pas tarder. Bah, il est mort là, je crois. Si, si, il est mort. Non. Bon, là, je joue super mal. Je suis en train de tout louper. Comment ça se fait que je loupe tout, là? En fait, il y a des moments comme ça où je loupe plein de trucs de suite. Ouf! On y arrivait quand même malgré tout ce que j'ai loupé. Non, mais... je me demande, ceux parmi vous qui n'ont pas pu acheter de yokai, qui ont acheté 0 yokai dans le jeu, comment vous faites, quoi? Enfin, à moins d'XP comme un bourrin, je sais pas comment vous pouvez faire, quoi. C'est ouf. C'est juste trop dingue, quoi. C'est trop difficile. Bah, pourquoi je peux aller en bas? Ah, alors il faut que je fasse un rang C sur la musique versus Yokai 2. Je l'ai? En quelle difficulté? Je sais pas, c'est pas marqué ça, si. Ah, en difficulté orange, non? Attendez, allons voir. Donc sur la musique versus Yokai Watch 2, je l'ai, hein. Ouais, c'est celle-là. En difficulté orange, faut que je fasse un rang C. Mais on va y aller avec cette équipe, parce que cette équipe, il y en a 3 qui ont un bon rang. Donc voilà, et comme ça, on va débloquer le chemin d'en bas. Yaaay! Enfin, on va débloquer le chemin d'en bas. Attendez, nous emportons pas, hein. Pour débloquer le chemin d'en bas, faudrait que j'y arrive en rang C. Et ça, pour le moment, c'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est que ces percussions bizarres, là? C'est quoi ces instruments moches? C'est mon groupe qui fait ces instruments trollés. J'espère que c'est pas comme Hassan quand même. On dirait qu'il y a une espèce de maracas ou je sais pas quoi, c'est trop moche. Alors là, je pense pas y arriver au rang C quand même. Ça a l'air d'en demander beaucoup. Hein. En même temps, je fais pas de perfect quoi. À une époque, j'en faisais, mais là, j'en loupe pas mal. Bon, tant que j'en loupe pas, ça va. Oh là là! C'est difficile par rapport au niveau facile. Et encore, on est qu'en niveau moyen. On n'est même pas en niveau difficile.
Oh là 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 là. Je regarde pas mon classement, hein. Je ne le regarde pas du tout, je veux pas le regarder. Je le verrai à la fin. Ok. Pour l'instant, on fait des beaux combos, en plus, c'est ouf. C'est ouf, les amis. Non, non, non. J'en ai loupé un. J'en ai loupé un, mince. Et donc, on va perdre des multiplicateurs, je pense. What? Ok, je l'ai eu. Et là, ça va être la fin. Non, pas encore. Mais on est déjà au rang C, là, non? Ouais, je pense. Allez, faites votre chanson, là. Faites votre magie. Non, comment j'ai fait pour le louper? Ça va être la fin, là. C'est la dernière ligne droite, je le sens. Bah non, toujours pas. Mais elle est super longue, cette musique. C'est rare, hein. Allez. Bon, on va pas arriver au rang A, mais on sera au rang B. Donc c'est très bien. Parce que de toute façon, dans tous les cas, fallait être au rang C. C'est déjà pas mal. Et comme ça, on va aller voir, mais normalement, ça va me débloquer le chemin. Puis je gagne un petit peu d'XP, ça m'avait toujours plaisir. Oh ! J'ai débloqué une nouvelle chanson. Ah bah oui, c'est la chanson sur laquelle on va être dans le prochain épisode. Dans le prochain niveau, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on faisait des niveaux qu'on connaissait, en fait, des chansons qu'on connaissait. Parce que là, si je retourne ici et que... Je vous la montre pas, hein. Vous le saurez dans le prochain épisode. Et bah oui, c'est ça. Et bah voilà, avec les petits pandas, je sais plus quel est leur nom. Dites-le si vous en souvenez, mais c'est des yokai voyageurs de Kawash 2. Ça, je m'en souviens. Par contre, niveau 16, niveau 15, niveau 16, on va l'essayer, le niveau. Mais je vous garantis pas qu'on y arrive. D'avance, laissez-moi des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. En tout cas, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Yo-Kai Watch Galapolisme en musique. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut! Message, boom boom.